Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du mercato du Paris Saint-Germain, on va parler des trois matchs du jour, mais on va parler de cette première information. Ce ne sont plus les clubs qui décident, ce ne sont plus les propriétaires, les directeurs sportifs, les présidents, les entraîneurs, ce sont les joueurs. Xavi Simons, qui a prolongé au Paris Saint-Germain la saison dernière jusqu'en 2027, il a été prêté dans la foulée. Très grosse saison avec le Red Bull Leipzig, on va pas se mentir. Titulaire indiscutable avec les Oranges des Pays-Bas, mais le mec, c'est lui qui décide s'il va rester au Paris Saint-Germain ou non. Ce dossier est complètement incroyable. Tu peux pas le vendre cet été, parce que si jamais tu le vends cet été, c'est le PSV Eindhoven qui va toucher l'oseille, parce qu'il a été prêté là-bas l'année dernière. Donc le mec, en ce moment, il appartient au PSG, il a été prêté au Leipzig, mais si Paris le vend cet été, c'est Eindhoven qui va toucher l'oseille. Donc je ne sais pas comment le Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos, les avocats du Paris Saint-Germain écrivent les contrats, mais c'est quand même assez exceptionnel. Et en plus de ça, c'est Simons qui décide s'il va rester à Paris ou non. Alors ça, c'est exceptionnel. C'est là que tu vois que le Paris Saint-Germain n'a aucune autorité. Non seulement ils ont aucun savoir dans la gestion, mais en plus de ça, ils ont aucune autorité, les mecs. Simons a appelé personnellement les dirigeants parisiens pour leur dire et leur signifier qu'ils ne voulaient pas rester au Paris Saint-Germain. Le Bayern de Munich est intéressé et le Bayern serait prêt à mettre entre 60 et 70 millions d'euros. Bon, tu le vends bien, j'avoue, mais quand le Bayern de Munich, qui fait partie du top 3 des clubs européens, s'intéresse à un joueur et est prêt à mettre 70 millions d'euros, moi je serais le Paris Saint-Germain, je réfléchirais à deux fois. Et puis je suis désolé, c'est pas Simon qui décide s'il doit partir ou non. Si Paris a envie de garder Simons, Paris a le droit de garder Simons. Maintenant, depuis quand les joueurs font la loi? Ouais, depuis longtemps? Bah non, ça marche pas comme ça, je suis désolé. Au Real, c'est les patrons qui font la loi, c'est pas les joueurs. Au Bayern, c'est pas les joueurs qui font la loi. À City, c'est pas les joueurs qui font la loi, etc., etc. Il y a que à Paris où les mecs font ce qu'ils veulent. Mais par contre, c'est bizarre. Mbappé, quand il voulait partir, Paris l'a toujours retenu de force. Neymar, quand il voulait partir, Paris l'a toujours retenu de force. Verratti, quand il voulait partir, Paris l'a toujours retenu de force. Mais par contre, Simons, c'est lui qui décide. Il n'a jamais rien fait à Paris, mais c'est lui qui décide s'il doit partir ou non. Donc moi, je suis désolé, hein. Et à un moment donné, le Paris Saint-Germain, il va falloir quand même. Là, c'est plus une remise en question, parce que ça fait des années qu'on parle de remise en question. Il faut être plus autoritaire, il faut être plus solide dans les arguments, il faut arrêter de surpayer les joueurs, de surpayer les transferts. Mais attends, c'est incroyable. Déjà, ce contrat, on n'y comprend rien. Mais en plus de ça, c'est le joueur qui décide s'il doit partir ou non. Non, je suis désolé, c'est le président, l'entraîneur, etc., qui décide si le joueur doit rester ou pas. Voilà. Mais bon, le mec, apparemment, Simons, il se croit phénoménal. Il croit que c'est un excellent joueur qui mériterait peut-être de jouer 50 matchs de la saison. En tout cas, ce dossier, c'est très clairement n'importe quoi. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est très intéressé par João Neves, hein, mais n'envisagera qu'une offre maximum aux alentours de 75 millions d'euros. Le Benfica Lisbonne, de son côté, souhaite que sa clause libératoire soit levée à 120 millions. Oui, d'accord, on va acheter un joueur 120 millions d'euros qui n'a strictement rien prouvé au haut niveau. Le mec, on l'a vu contre Marseille en Europa League, il n'a pas mis un pied devant l'autre. Avec le Portugal, il est sur le banc. En quoi ce joueur-là vaut 120 millions d'euros? Parce qu'il a 19 ans, faut arrêter les conneries. Bon, au moins c'est bien, Paris progresse un petit peu, parce qu'avant Paris, il les aurait mis les 120 millions. Mais là, 75 millions. Déjà, même pour moi, 75 millions d'euros, ça me paraît quand même excessivement cher. Pour un joueur quand même qui n'a rien démontré, qui n'a même pas un match au haut niveau. Très clairement. Donc, ce mercato quand même sent le roussi, hein. Et le dossier Euro, alors le dossier Euro, c'est exceptionnel, hein. C'est un dossier quand même qui pourrait avoir de lourdes conséquences en cas d'une non-arrivée, hein, comme cela se présente ces derniers jours. Donc lui, il a choisi le Real Madrid et carrément, quand Paris s'est intéressé à lui, Monsieur Lenny Euro leur a répondu « Oui, merci, mais non. Merci, mais non. » Non mais attends. Non mais quand tu me parles comme ça, moi je pète un câble. Et en plus de ça, Paris veut insister pour le recruter malgré que le mec parle comme ça, manque de respect au parc, au PSG, aux supporters, aux dirigeants. Et en plus, le mec, il te dit « Merci, mais non. » Et le mec ne veut aller qu'au Real. Bah bon, Real, dégage, on veut pas de toi quoi qu'il arrive. Bref. On va parler de l'euro, bon, on va pas se mentir, hein. Quand tu regardes l'euro, très clairement, on sait que c'est l'équipe de France qui va gagner l'euro. L'équipe de France va gagner l'euro, c'est déjà écrit. La seule équipe qui pourrait peut-être battre la France, c'est l'Espagne. Et encore, je suis même pas sûr. Mais voilà, après tout le monde dit que l'équipe de France est du football de merde. Moi, je veux bien. Mais à part l'Espagne,
et peut-être l'Allemagne. À part l'Espagne et l'Allemagne, qui c'est qui joue mieux que la France? Portugal? Peut-être. Italie? Bof. Pays-Bas? Bof. Angleterre? C'est de la daube. Donc moi, je pense que la France va gagner l'Euro. Je pense, c'est mon avis, défensivement, il ne peut rien leur arriver. C'est un jeu similaire à celui du Real Madrid. On attend, on reste derrière, on met le bus, on est très bien en place, on reste groupé et on joue le contre. Et après, bah, très efficace devant le but. Bon, pour l'instant, quoi qu'il en soit, la France n'a pris aucun but, mais n'en a marqué aucun non plus, hein, parce que le but contre l'Autriche, il est contre son camp. Donc maintenant, on verra le match contre la Pologne, et on verra ce que ça va donner. La Pologne qui est presque déjà éliminée à 99,99%. T'as un Kanté qui revient à un très haut niveau des années 2018-2019. T'as une défense très solide, et puis le physique d'N'Golo Kanté, regardez-moi ça, c'est plus des abdos, frère. Regardez N'Golo. Non, non, ce n'est pas un montage, hein. Ce n'est pas un truc que tu trouves dans les boutiques en ligne où tu as des abdos. Regardez les abdos d'N'Golo Kanté. Regardez-moi ça. Ça, c'est combien ça? C'est 1000 abdos par jour? 2000 abdos par jour? Non, c'est exceptionnel ce joueur. Franchement, il sort d'une année en Arabie Saoudite et le mec s'est transformé. Il est complètement exceptionnel. En ce qui concerne Nico Williams, qui fait vraiment grosse impression avec la Roja, bah Nico Williams demande un très gros salaire pour rejoindre un nouveau club. Pour rappel, clause libératoire de Nico Williams, 60 millions d'euros. Au lieu de s'intéresser à un Neves à 120 millions d'euros ou à un Kvaratskhelia entre 150 et 200, Nico Williams, 60 millions d'euros, c'est cadeau. 60 millions d'euros pour les Qataris, c'est cadeau. Nico Williams, 22 ans, joueur exceptionnel, 60 millions d'euros. Mais je comprends pas que les mecs, ils continuent avec les joueurs portugais, les joueurs géorgiens. Regarde ce qu'il fait avec l'Espagne, regarde ce qu'il fait avec Bilbao. C'est tout à fait remarquable, exceptionnel. 60 millions d'euros, c'est cadeau. C'est cadeau. Laisse tomber les Niyoro, laisse tomber machin. Franchement, avec le Dembélé qui met plus un pied devant l'autre, le Barcola qui joue plus. Il va falloir quand même trouver des joueurs pour remplacer Mbappé. Je sais pas si Ramos et Kolo Muani, ça va le faire, mais quoi qu'il en soit, le mercato parisien va être très compliqué parce que pour moi, pour être compétitif, il faut deux défenseurs centraux au minimum. Il faut deux latéraux pour la concurrence avec Hakimi et Nuno Mendes. Il faut au moins deux milieux de terrain. Et je sais pas si tu peux acheter tout ça pendant le mercato parce que si tu fais la saison avec Skriniar, Marquinhos, Kimpembe, on sait pas quand il va revenir. Hernandez blessé, Danilo qui avance plus, Belardo c'est très très minimum, hein. C'est pas terrible du tout. Bon, il y a Moscardo qui arrive au milieu de terrain, mais bon, déjà t'avais Moscardo qui arrive et Simons, tu cherches un milieu de terrain, t'as Simons et tu fais pas tout pour le garder. Bah oui, parce que s'il veut pas rester à Paris, Simons, ça veut dire qu'il sera pas titulaire. Donc ça veut dire que Henrique n'en veut pas. C'est très compliqué. Voilà les postos. Tchuss.